Praise the Lord. Thank you.
Giusto.
papalanga. Si je vais vous répondre. C'est des circonstances. Dans quelles circonstances est-ce qu'il est mort? Oui, tout justement, nous sommes très tristes partout au monde. Si un président a fait le mandat, ça termine, il doit quitter à l'amabilité. Pas question de tuer plein de gens. Et mon frère, il est mort ici au siège de l'UDPS? Oui, ce sont au siège de l'UDPS. Moi-même, j'étais aussi du nombre. Parmi quand le barbarie de M. Kabila était entré à 3h du matin pour tuer le peuple congolais. J'étais présent parmi les groupes là. Et parmi les groupes qui étaient entrés ici chez nous à 3h du matin, et on avait constaté que le groupe de barbarie était dirigé par, voire même le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et puis, le ministre des Derniers Radio, Bouchaba, il était du nombre, mais nous étions très conscients de ne pas venger le mal contre le mal. Merci. Malheur à ce gouvernement. Kabila, on va se charger avec toi. Kabila, Kabibale. Papa Koufa. Maman Koufa. Yaya, tu te calais, papa. Yé, papa, maman. Yaya, moutamba nangai. Yaya, wabo milek nangai. Nzamba za temo. Nazotia tuyu nzambe temo. Mabele. Zali. Aleki mawana mahele ya mbabo mwana mama nangali. Mwana mpoka oyu. Ne mwana mama nangali kufi. Et ça a tout pris comme on a la bise à la bise.
Après l'enterrement, on ne doit pas lâcher l'affaire. On doit lutter jusqu'au bout parce que le pouvoir est à nous. C'est que les pouvoirs en place à fait, ils ont des massacres. Et nous les Congolais, on ne peut même pas lâcher comme ça. Après l'enterrement, on sera les cinq en mission du président Tshisekedi. Après mes amis, et les diasporas qui sont venus pleurer les martyrs de la démocratie qui est assassiné par les gens du pouvoir en place. On veut dire les gens du PPRD. Pouvoir en place, majorité présidentielle. En 3h du matin, ils sont venus et sont venus entre siège de l'UPS, c'est ça. C'est là où il y avait des combattants. Nous sommes là pour pleurer avec eux. On est du cœur avec eux. Que leur âme repose en paix. On ne lâchera pas l'affaire. Nous sommes là pour lutter jusqu'au bout. Le 19 décembre, Kabila doit partir. Doit nous laisser libres. Et tous les gens de la majorité, tous les opposants qui sont au dialogue, là j'insiste, M. Kamere, ces gens étaient ici. Ces gens étaient parmi les gens de la PPRD. On ne veut plus d'eux. La conclusion du dialogue de l'Union africaine là-bas, au Kanchat, là c'est pour eux. C'est comme si Jeannette Kabila et Kabila sont assis pour prendre un solution. Non, ça c'est pas les terres des ancêtres, c'est pour le Congo, les Congolais. On connaît bien des Congolais, on ne peut pas Kabila ici. Pas les Kabila ici. C'est Congo et pour le Congolais. Je vous remercie. Il est là, mon père, il est là, c'est moi, Blaise Stéphane. Je suis ton fils aîné, mon père, il est là. Et je suis fier de voir mon père. Ton père, le victime, s'appelle comment? Même à moi, Blaise Stéphane. Il est là, vous voyez, il est là. Moi, je suis là, je suis niqué avec mon père. Et moi, pourquoi je pourrais lâcher l'affaire? Non, moi, je lâche pas l'affaire. Moi, je suis niqué pour mon père et pour mon pays, non? Réalité pour le pays. Souvenez-vous de Martin Luther King. Souvenez-vous de Mandela. Pourquoi mon père peut mourir aujourd'hui et moi je lâche l'affaire? Non! On ira jusqu'au bout. Les Sud-Africains ont fait ça. Les Américains ont fait ça. Il y a la démocratie en Afrique ici. Il y a la démocratie partout. Mais ils en ont laissé. Kabila. Il doit sentir. Trop, c'est trop. Les Congolais sont au calme. Sommes au calme pour tout. Kabila doit partir. Là, je vous jure. Le 17 décembre, oh c'est trop, il doit partir. Là, je vous remercie. Mon nom, c'est José Mbemba Stéphane. Pardon? Mbemba, moi, Mila et Joseph. Je vous remercie. C'est un sentiment d'angoisse qui anime toute la communauté de l'UDPS et par ricochet aussi la nation congolaise tout entière, parce que nous pensons que le combat de l'UDPS est le combat de toute une nation. Et aujourd'hui que nous sommes en train de pleurer nos morts, nous avons en même temps aussi un sentiment de révolte, parce que ce sang qui a coulé aujourd'hui ne peut pas rester sans écho favorable dans non seulement le chef de la communauté de PES, mais aussi de la nation congolaise. C'est pour dire que c'est sans couler à cause de l'alternance, et quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, l'UDPS est encore prête d'aller jusqu'au sacrifice suprême pour arracher l'alternance cette année.